Au programme du Daily, on a de nouveaux éléments sur la sortie de God of War Ragnarok, le premier DLC de Cyberpunk 2077 laisse échapper quelques infos et plusieurs grosses exclusivités PlayStation vont s'exporter en série. Le Daily, c'est parti! God of War Ragnarok, c'est sans nul doute le gros jeu estampillé PlayStation Studio le plus attendu depuis la sortie de la PlayStation 5. Il fait suite à l'excellent opus de 2018 qui a permis à Santa Monica de repartir sur de nouvelles bases pour Kratos en intégrant des éléments de RPG à la licence, plus de faire passer le jeu d'un gameplay beat'em up à de l'action plus traditionnelle, comme on a l'habitude d'en voir dans la majorité des action RPG. Le jeu a été un succès commercial et critique retentissant, il a même reçu la note parfaite dans nos colonnes, notamment en raison d'une narration en plan séquence bluffante et d'une réappropriation de la mythologie nordique très bien fichue. Sa suite a été teasée en 2020 lors de la présentation de la PlayStation 5. Le jeu s'est ensuite fait assez discret, dévoilant des informations au compte-gouttes, comme le design de Thor et quelques nouveaux personnages il y a quelques mois. La grosse nouvelle, c'est que le jeu vient d'être listé sur le site de classification sud-coréen. Et sans surprise, il a été noté 18, et c'est plutôt normal. Dans God of War, on décapite des ennemis, on balance notre hache dans des crânes et on met des patates de forain à tout va. Mais là, on a les détails qui expliquent pourquoi le jeu reçoit la note maximale. On aura de la violence évidemment, mais aussi des blasphèmes excessifs, la présence de drogue et de personnages buvant de l'alcool. Si le jeu est bien prévu pour 2022, beaucoup de fans ont peur d'un report à l'année prochaine. Alors attention, un listing sur le site sud-coréen ne veut pas nécessairement dire que le jeu sortira bientôt, ou en tout cas le processus n'a rien d'officiel, mais on peut largement espérer une sortie du jeu pour cette année. Horizon Forbidden West par exemple a été listé en novembre 2021, il est sorti 3 mois plus tard en février 2022. Si on garde ce délai de 3 mois, ça nous envoie grosso modo à fin août, début septembre. Et septembre, c'est également la date à laquelle sont censés sortir les produits dérivés God of War Ragnarok, si on en croit les trouvailles du Twittos The Mermelade, qui a repéré plusieurs t-shirts et peluches à l'effigie du jeu sur le site Geekyzone, listant une disponibilité au 30 septembre prochain. Une sortie cette année a également été confirmée il y a quelques semaines par le community manager de Santa Monica et par Bruno Velasquez, le directeur de l'animation du jeu, écartant un peu plus la théorie du report pour la suite des aventures de Kratos. Un autre jeu plutôt attendu par les joueurs PlayStation, c'est Stray, le jeu d'aventure qui nous mettra aux commandes d'un petit chat tout pipou livré à lui-même dans une ville futuriste peuplée de robots. On sait que le jeu est prévu pour cet été, mais on n'a aucune date de sortie précise. Si on se tourne vers la base de données PlayStation, Stray est listé pour le 19 juillet prochain. D'excellentes nouvelles pour les joueurs PlayStation en résumé, on va se régaler et on a vraiment très hâte. Avant de passer à la grosse info du Daily, on va parler un peu jeu gratuit, parce que ça fait toujours plaisir de récupérer des jeux sans lâcher le moindre centime. Cette semaine sur l'Epic Game Store, c'est la collection BioShock qui est offerte jusqu'au 2 juin. BioShock, c'est un monument du jeu vidéo. Je vous invite vraiment à récupérer le jeu et à le faire en urgence si c'est pas déjà fait. Vous avez les deux premiers opus dans une version remasterisée et BioShock Infinite avec tous ses DLC. Trois grosses pépites donc qui vous feront découvrir la cité sous-marine de Rapture, mais aussi la ville flottante de Columbia. Les deux sont extraordinaires, croyez-moi. Allez, on passe à la grosse info du Daily avec le premier DLC de Cyberpunk 2077 qui aurait leaké. Malgré une sortie plus que bancale qui a quand même obligé PlayStation à retirer le jeu de son store en raison de nombreux bugs, Cyberpunk 2077 n'est pas mort. Le jeu a enfin eu droit à ses versions New Gen il y a quelques temps et plusieurs DLC sont également prévus. Le premier aurait même fuité d'après Video Game Chronicles qui a repéré plusieurs détails par le biais du dernier patch du jeu. Cette dernière mise à jour aurait rajouté tout un tas d'éléments dans le code source du jeu qui ont ensuite été trouvés par les data miners. Ce premier DLC rajouterait donc 7 missions principales et beaucoup de contenu annexe, comme des quêtes secondaires, la rencontre de nouveaux personnages et même de zones totalement inédites. Plus étonnant, Johnny Silverhand, campé par l'excellent Keanu Reeves, serait presque totalement absent du DLC qui se concentrerait sur un tout nouveau personnage nommé Songbird. Mais CD Projekt est aussi en train de bosser sur le prochain jeu The Witcher. Ce qu'on sait, c'est qu'il tournera sous l'Unreal Engine 5. On a simplement eu droit à une image teaser de la part de CD Projekt, laissant apparaître un médaillon de lynx. Problème, cette école n'existe pas dans l'univers The Witcher, et beaucoup pensent qu'on aura donc droit à une toute nouvelle école de sorceleurs avec ce prochain opus. Certains fans pensent également que le jeu nous mettra aux commandes de Ciri. The Witcher 3 venant conclure à merveille l'épopée de Geralt, c'est peu probable qu'on assiste à un retour du boucher de Blaviken avec ce nouveau jeu, mais sait-on jamais. CD Projekt vient d'annoncer que le jeu venait de rentrer dans sa phase de pré-production et le président du studio, Adam Kisinski, a déclaré être impatient de revisiter l'univers de la saga et ça fait clairement écho à l'intégration d'une toute nouvelle école justement. Si le jeu vient tout juste de rentrer en pré-production, il faut donc pas s'attendre à le voir débarquer avant quelques années. On vous tiendra bien évidemment informé sur JV dès que le titre se dévoilera plus en détail, mais en attendant, sachez que les versions New Gen de The Witcher 3 sont toujours prévues d'ici la fin d'année.
Avant de passer à la dernière info de cette vidéo, sachez qu'aujourd'hui, vendredi 27 mai, c'est la date de sortie de deux séries grandement attendues par un bon paquet de gens. Déjà, les fans de Star Wars vont être aux anges, puisque les deux premiers épisodes de la série centrée sur Obi-Wan Kenobi sont d'ores et déjà disponibles sur Disney+. La suite se fera à hauteur d'un nouvel épisode par semaine pour l'intrigue qui se place entre les épisodes 3 et 4. Obi-Wan est exilé sur Tatooine où il garde un œil sur le dernier espoir de la galaxie, Luke Skywalker, le jeune fils d'Anakin alias Dark Vador. La deuxième bonne nouvelle, c'est que la première partie de la saison 4 de Stranger Things est déjà disponible sur Netflix. La deuxième partie sortira quant à elle le 1er juillet et attendez-vous à des épisodes plutôt longs avec un épisode final qui durera près de 2h30. Allez, on passe à la dernière info de ce daily avec des séries télé issues de vos jeux PlayStation favoris. On ne dira jamais assez, mais ces derniers temps, les adaptations de jeux vidéo sur petit et grand écran sont de plus en plus courantes. Netflix prépare sa propre adaptation de BioShock, la série The Last of Us d'HBO est en plein tournage, It Takes Two, le GOTY 2021 va avoir son propre film par Amazon, Ghost of Tsushima prépare aussi son propre film, et celui d'Uncharted avec Tom Holland est sorti un peu plus tôt cette année. Et bah sachez que c'est pas prêt de s'arrêter puisque PlayStation a annoncé officiellement que plusieurs de ses autres licences auront droit à une adaptation en série télé. C'est pendant leur dernière présentation aux investisseurs que Jim Ryan, le big boss de PlayStation, a dévoilé que God of War, Horizon et Gran Turismo préparaient chacun leur série. Les aventures de Kratos sont actuellement en développement chez Amazon Prime Video, celles d'Aloy auront leur place dans le catalogue de Netflix, et en ce qui concerne Gran Turismo, bah aucun diffuseur n'a pour l'instant été annoncé. Sony compte donc bel et bien capitaliser sur sa branche jeux vidéo pour nous proposer du contenu sur petit écran. Le film Uncharted a rapporté pas mal d'argent à l'entreprise, dépassant les 400 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Bon, en ce qui concerne les reviews presse par contre, c'est vraiment pas ouf. Uncharted c'est 41% sur Rotten Tomatoes, mais les notes utilisateurs sont très bonnes et font grimper le compteur à 90%. Les marchés du PC et du mobile sont également l'une des grosses priorités de PlayStation. On le savait depuis un moment, mais la présentation nous donne de nouveaux éléments sur la suite des événements pour la stratégie de Sony. Jim Ryan a dévoilé que près de la moitié du catalogue PlayStation Studio sera disponible sur PC, mais aussi sur mobile d'ici 2025. La finalité, c'est bien entendu d'attirer un tout nouveau public et de faire grossir les utilisateurs des services PlayStation. Plusieurs exclus PlayStation sont déjà dispo sur PC d'ailleurs, et Sony ne s'est pas privé de dévoiler les excellents chiffres de vente sur Steam. Horizon Zero Dawn est le jeu qui s'est le plus vendu avec 2,3 millions d'exemplaires écoulés pour 60 millions de dollars générés. God of War arrive en deuxième position avec environ 971 000 ventes pour 26,2 millions de dollars de revenus. Et Days Gone en est à plus de 852 000 ventes pour 22,7 millions de dollars de recettes. Attendez-vous donc à voir de plus en plus d'exclusivités PlayStation débarquer aussi bien sur PC que sur mobile. La liste est longue et le constructeur a de quoi faire avec Uncharted, Ghost of Tsushima, Spider-Man, The Last of Us ou encore Returnal. Returnal qui a d'ailleurs été repéré dans la base de données de Steam par Steam Database sous le nom de code Oregon. Si on se penche sur les tags liés à ce fameux Oregon, on peut découvrir roguelike et science-fiction en plus de mentionner Atropos dans la fiche du produit, ce qui laisse peu de place au doute. Soyez sûr qu'on vous tiendra informé pour la suite des jeux PlayStation portés sur PC, mais aussi dès qu'on a de nouvelles informations sur les prochaines adaptations de jeux vidéo sur petit et grand écran. Le daily c'est fini, mais place au sondage. Aujourd'hui, c'est un peu particulier puisqu'on va débriefer pas une, mais deux questions. Mercredi, on vous a demandé si vous étiez déçu du nouveau PlayStation Plus vu les nombreux couacs que le service s'est payé en Asie. 9% d'entre vous y croyaient encore, 9% sont carrément déçus, 26% attendaient de voir au moment où ça sortira chez nous, 33% n'en avaient carrément rien à faire et 24% préféraient totalement l'offre du Game Pass. Hier, on vous a demandé si vous pensiez que les jeux Spider-Man auraient connu le même succès si Microsoft avait accepté le deal avec Marvel à la place de PlayStation. 18% pensaient que les jeux de l'homme-araignée auraient au moins été aussi bons, 6% pensaient qu'ils auraient été encore mieux que chez PlayStation, 36% d'entre vous avaient répondu que non, puisque PlayStation a énormément apporté à la qualité des jeux, et 40% être plutôt nuancé en déclarant qu'il était impossible de juger, les jeux auraient été bien trop différents. Aujourd'hui, on va vous poser une nouvelle question. Quelle est la prochaine exclusivité PlayStation que vous aimeriez voir débarquer sur PC? Entre Uncharted, The Last of Us ou encore Spider-Man, y a de quoi faire. La question est à retrouver dans l'onglet communauté de notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à y répondre, on débriefera des réponses dès lundi. Et c'est justement lundi qu'on se retrouvera pour un prochain daily. D'ici là, portez-vous bien et jouez beaucoup. Ciao.